Quand effectuer son dernier entraînement avant une compétition et quoi faire? C'est une question très sensible et je vais y répondre aujourd'hui. Point sensible car on veut évidemment économiser son énergie pour la compétition, mais on veut aussi garder la forme pour être capable de donner son meilleur lors de la course. Le dernier entraînement avant une compétition, c'est donc trouver un juste milieu entre ces deux objectifs. Faire un entraînement qui ne soit pas trop difficile pour ne pas se fatiguer et faire un rappel d'intensité. Mais voyons tout ça plus en détail dès maintenant. Pour commencer, la grosse question, quand est-ce qu'on doit effectuer le dernier entraînement avant une compétition? Cette réponse peut être assez personnelle, chacun sa méthode. Les habitudes d'avant-course participent aussi au fait que nous nous sentions bien. Si vous avez une méthode qui fonctionne pour vous, ne cherchez pas forcément à la changer. De mon côté, j'ai une méthode assez simple et qui fonctionne très bien. Et je connais pas mal de coureurs et de triathlètes qui l'utilisent aussi. C'est le simple fait de faire son dernier entraînement 24 heures avant la compétition. Mon jour de repos ou d'entraînement très léger est placé 48 heures avant la course. Ce jour me permet d'emmagasiner un maximum d'énergie et de me sentir reposé. Pourquoi 48 heures avant? Parce que j'ai observé qu'en le faisant la veille, j'avais plus de mal à rentrer dans mes compétitions. Alors qu'en faisant un entraînement léger 24 heures avant la course, cette sensation n'était plus là. À chaque fois que j'étais actif dans l'après-midi ou la soirée précédant une course, ça m'a desservi. D'abord parce qu'évidemment on perd de l'énergie, mais on est aussi beaucoup moins concentré sur sa nutrition et son hydratation. Surtout quand on est loin de la maison et qu'on n'a pas ses habitudes. Bien sûr, il n'est pas interdit de bouger un peu, mais garder des déplacements courts est idéal. Vous pouvez sortir pour aller manger votre plat de pâtes d'avant-course ou aller chercher votre dossard, évidemment. Mais ne vous éparpillez pas à rester sur les stands ou activités proposées à l'expo. Deuxième point important, quel doit être le contenu du dernier entraînement avant une compétition? Lorsqu'on est à 24 heures de la compétition, la règle est simple, on en fait le minimum. Mon dernier entraînement avant une compétition dure maximum 30 minutes. Et même 15 minutes quand c'est pour un triathlon car je fais un peu de chaque sport. Pas besoin de plus que ça pour être en forme le lendemain. La base, 10 à 15 minutes de footing en endurance fondamentale, très progressif, suivi de quelques gammes. C'est la même chose que j'explique dans ma vidéo sur l'échauffement, mais en version allégée. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'échauffement, je vous l'ai mis dans la description. La suite dépend du type de distance que je vais courir. Pour les distances inférieures ou égales à 10 km, j'effectue 3 à 4 fois 30 secondes à mon allure cible, voire légèrement plus vite, avec une minute de récupération entre les fractions. L'effort n'est pas très intense et la minute de récupération largement suffisante pour faire redescendre le cardio entre les intervalles. Bref, on ne se fatigue pas. Si la course est un semi-marathon, je monte le temps d'effort à 1 minute et pour un marathon, je le passe à 2 minutes. Ça permet de bien ressentir l'effort en prévision du lendemain. Dans tous les cas, la récup est relaxe. Pas de stress sur le temps de récup, on repart uniquement quand on sent que notre cardio est repassé en endurance fondamentale. Après le dernier entraînement, avant une compétition, c'est repos obligatoire. J'essaye de faire le moins d'efforts possible et de mettre le focus sur la récupération et la relaxation. Lire un livre, regarder un film ou une série, vérifier son équipement pour le lendemain, rester hydraté, se nourrir correctement, bref, des choses très simples mais qui selon moi font largement la différence. Voilà pour mon expérience du dernier entraînement avant une compétition et surtout de comment bien gérer la dernière journée. Qu'en pensez-vous? Avez-vous un fonctionnement différent? Y avez-vous tout simplement pensé? Dites-moi tout dans les commentaires et si vous avez aimé ces astuces, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir.